Terminera sur 6 minutes à 12,5 km/h et on terminera par 3 minutes à 15 km/h. Au cône bleu là-bas, il y aura Kylian, Grizzy, Karim, Kingsley et puis Ousmane. Les collègues. On démarre du bleu, on finit au bleu en 10 secondes. Le 10-20 plus le 18-30, c'est 12 efforts. Le total, c'est 7 minutes 48. 12 efforts, 7 minutes 48. 6 minutes. 6 minutes. Ensuite, on passe. C'était une séance dominante physique qui va me permettre de, enfin, qui était une séance aussi test, qui va me permettre de déterminer l'état physique des joueurs par rapport à un état de fraîcheur, par rapport à, au match qu'ils ont réalisé. Ça c'était que l'échauffement, ça. Il y avait trois formes de travail. Il y avait une première forme sous forme continue avec du travail à allure à 10 km/h, 12 km/h, 15 km/h qui va me permettre de... Donc tout le monde faisait exactement la même chose et je vais voir quels étaient les joueurs qui étaient le plus en facilité, le plus en difficulté et ça me permettra de détailler ensuite les groupes. On est prêts ? 6 efforts ! 10-20 ! Et puis ensuite il y avait du travail sous forme intermittent. Avec des allongés sur 25 mètres, 50 mètres, 75, 100 mètres, avec des temps à respecter, des vitesses à respecter, et puis ensuite un travail intermittent avec des groupes de travail qui vont permettre d'individualiser le travail par la suite. Allez, allez, allez! 5! 18:30, continue à trottiner! On travaille des jaunes aux jaunes. Il y a une analyse surtout au niveau de la fréquence cardiaque. Bien sûr, il y a les GPS, mais c'était pas la donnée la plus importante ce matin, puisque chacun avait exactement la même charge de travail, la même charge externe. Et simplement, il y avait des plots et des distances à respecter avec des coups de sifflet. Donc c'était pour tout le monde exactement la même charge. Par contre, il y avait l'enregistrement de la fréquence cardiaque au niveau de cette séance qui me permettra de terminer la charge interne pour chaque joueur et voir les joueurs qui étaient le plus en facilité cardiaque ou en difficulté. Et puis ensuite, de pouvoir adapter les futures séances physiques. Oui, à l'intérieur, voilà. Et puis ensuite j'ai l'analyse de la courbe de fréquence cardiaque. En sachant... J'ai les analyses en direct, donc là déjà j'ai déjà fait un petit retour à Didier sur ce qu'on a fait ce matin et on a un groupe qui arrive avec des bonnes dispositions. Donc c'est plutôt bien, je suis plutôt satisfait. C'est dur. Enfin ouais. La fin ça piquait. Ça fait du bien quand c'est fini. Tu vois, il faut très beaucoup d'air en arrière, quoi.